Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on commence, je ne sais pas, je suis dans mon atelier mais j'ai peiné déjà à trouver ma place pour commencer ma vidéo. Parce que il y a un côté ça faisait crade, l'autre ça faisait crade, bah et ce côté là il est pas top hein, comparé à mon atelier. Enfin bref, ce matin j'ai reçu un colis. Je vous fais pas un unboxing parce que comme ma femme me dirait c'est inutile. Sachant que tout le monde n'a pas un billard. C'est ce qu'elle m'a dit en fait. Et on a reçu l'intérêt de ça je ne vois pas. Celle-ci je la vois, mais celle-ci je ne la vois pas. C'est surtout ça qui m'intéresse. Que je fasse pas de bêtises. Ça qui m'intéresse, je regarde juste si elle rentre dans les trous. C'est bon. Elles sont grosses. Et les queues. Voilà, c'était juste ça qui m'intéressait. Donc là, je vais pouvoir mettre tout en place. Et il y a des trucs bizarres. Ça doit être les bleus. Enfin bref, j'ai acheté un petit lot. Oh, la petite balayette pour balayer. Enfin bref, je vais mettre tout en place. Comme ça, ma femme, elle va dire « Ouais, je vais pouvoir enfin jouer !» Parce qu'elle en avait marre des petites boules. Hein. Parce que regardez. La différence. On voit quand même la différence des boules, quoi. Mais j'ai l'impression qu'elles sont vraiment grosses, ces boules-là. Je sais pas. Elle rentre. Ouais, c'est peut-être ça. C'est ma fille qui parle à côté. Elle me dit, elle me paraît grosse. Je sais pas si vous avez entendu, puisque vu qu'elle parle tout doucement, elle me dit qu'elle me paraît grosse, vu que j'ai joué pendant un petit moment avec les petites. Mais non, elle me paraît plus grosse que celle de Didier, par exemple. Je ne sais pas. Dans Buzz l'éclair. Pourquoi il y a une boule comme ça dans Buzz l'éclair? Oui, c'est... Ah, peut-être. Peut-être. Enfin bref, sinon ce matin, j'ai fait quoi? J'ai bossé un petit peu... déjà hier soir, j'ai rebossé un peu sur mes designs. Ce matin, un petit peu aussi. J'ai fait sur mon réassort, ouais, je vous l'ai dit hier, de badge. Ça sera le dernier, hein, parce que leur genre... là, je vais les recevoir. Enfin bref, je vais les recevoir. Et ça sera les derniers réassorts d'été. Donc tous les badges d'été, il y en aura plus après, hein. Ça sera une autre saison, bien sûr, automne, été, automne, hiver, Halloween, voilà, il y en a des, j'en ai fait, non, franchement, même moi je les kiffe, mais bon, moi je me kiffe moi-même, t'en veux. Sinon, je suis parti à la poste, donc je suis à jour dans mes commandes, si au cas où vous avez commandé, je suis à jour, donc tout est parti aujourd'hui, à part celle en attente, enfin bref, à comprendront les personnes qui sont en attente. Voilà, j'arrête, je mets en place. Ouais, je vais pas jouer au billard toute la matinée, hein. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai toujours rêvé de dire ça. J'ai d'autres chats à fouetter. Quoi? J'ai d'autres chats à fouetter. Je vais se fouetter, non? Ouais, parce que je l'ai dit au masculin. Je l'aurais dit féminin, ça aurait été pervers, quoi. J'ai reçu une ATC, donc tu vois, Laetitia, tout vient à point, qui sait attendre? Sors ta culture générale, là. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as quelque chose à rajouter? Aïe. Donc j'ai reçu une ATC de Laetitia. On va mettre en... Voilà. Donc en fait, elle m'a envoyé un message il y a peu de temps, entre guillemets, qui me disait qu'elle l'avait envoyé. Elle l'a envoyé quand?
Il n'y a pas la date. Non, parce que maintenant, il tamponne même plus les trucs, quoi. Ça coûte cher, non? Ouais, mais donc ça veut dire que tu peux les réutiliser. Raphaël, enlève ça de ta bouche. En gros, je le décolle. Tranquillement, comme ça, regarde. Hop. Il n'y a pas de tampon dessus. Je le décolle. Hop. Hop. Voilà. Et je le recolle sur un autre... Non, il n'y a pas de tampon dessus. Normalement, il y a les tampons qui font moitié-moitié, tu sais, sur l'enveloppe et sur le truc. Là, il n'y a rien. Et sur l'autre enveloppe que tu as eue, là? Bah, je pense qu'il y a. J'avoue, c'est chelou. C'est bizarre quand même qu'ils mettent des timbres sans... Ouais. Sans, voilà. Enfin, bref. J'ai berçu ton ATC. Je vais jouer avec toi. Donc, en plus, c'est une sur une. Donc, c'est une ATC... Tu l'as faite le 29 juin. On est le... On est le 12. On est le 12. Dans un mois, je suis en vacances. Ouais, je sais, vous en foutez, mais alors comment j'ai... Bah ouais, parce que moi, je suis pas en vacances, moi. Bon, tu y seras fatalement en vacances. Ah ouais, bah je serai en vacances. Je serai en vacances le fin... Non, au moins une semaine. Je suis pas en vacances. Du 12 août, semaine où on part, t'es en vacances. Bah, sauf le week-end. Voilà, j'ai une crop de prévu, donc techniquement, je suis pas en... Justement, faut que je t'envoie un message pour régler ça. J'étais en train de dire quoi? Voilà, avant que tu m'interrompes. Ah oui, 29 juin, et donc tu as dû l'envoyer à mon avis, parce que tu m'as dit que tu l'avais envoyé à un petit moment. Donc elle a mis plus de 15 jours quasiment à arriver, c'est abusé. Hein, mais bon, franchement, on s'inquiète plus avec la poste. Je vais faire quoi? Raphaël, assis. J'ai quoi à faire? Boire mon café. Bah ouais, franchement, on fait un petit encas, tranquille. Des petits abricots. Tranquille. Ah, celui-là, il est pas mûr. Pas tranquille. Les enfants sont en train de jouer dehors. Assis-toi bien, tu vas tomber sinon. De quoi? Je vais aller dans mon atelier. Parce que vous m'avez dit... Merci. Sans chouiner? Merci. Aujourd'hui, elle ne sait pas faire son chouiner. Parce que vous m'avez dit sur ma page d'hier que j'ai faite, que pour moi est ratée, vous m'avez dit, mais te connaissant, tu vas la rattraper. Donc en fait, je ne l'ai pas jetée, elle est toujours dans mon atelier. Je vais aller la rattraper tout de suite. Bon, j'ai essayé quand même d'essayer de la sauver, cette page. J'en suis à 4e ou 5e essai, mais je crois que... Je crois qu'elle est morte. J'ai essayé de la peindre en noir, tout en noir. Donc ça ressortait le mode in past et en fait ça faisait pas top. Donc j'ai essayé de la repeindre tout en blanc, ça faisait pas top. Donc là en fait je suis en train d'user, vous pouvez voir, il fait une chaleur de tous les diables dans l'atelier. Donc j'ai essayé de faire plusieurs trucs. Moi, elle m'inspire pas. Vous allez me dire hein, que voilà, ça fait un effet. On dirait une gravure. Mais moi, personnellement, elle me plaît plus. Donc, ça sert à rien que je fasse trop dessus. À trop faire. Voilà. Enfin, bref, vous voyez cette chaleur que j'ai après moi. Et en fait, on m'a dit que je délaissais mon spa naturel. Donc je vais aller à la rivière, je vais prendre mes clics et mes claques. Vous voyez pas? C'est mes futurs designs. J'ai quand même un petit peu bossé entre temps. Enfin bref, on va à la rivière. Bon, désolé, mais je ne peux pas aller dans mon spa parce qu'il a été... Il est pris. Désolé, je ne peux pas y aller. Donc on m'a dit que je délaissais la nature pour la technologie. Bah, je vais être obligé d'utiliser mon spa personnel. Au moins personne peut y aller. En fait on a voulu y aller, donc le spa il est juste... la petite cascade. Elle est juste... J'essaie de regarder, de voir. On va peut-être pas la voir. Il est derrière cet arbre là. Juste en dessous du pont. Voilà. Et en fait, il y a du monde.
Donc, je suis déçu. Je pensais à toi, Nicole. Tu m'as dit, ouais, ton spa, tu le délaies. En tout cas, l'eau est devenue verte. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les gens se baignent et à force de remuer l'eau, tout ça, mais l'eau est très verte. Ils sont de l'eau propre. Regardez. On se retrouve, il est 21h27 exactement. Nous sommes posés tranquillement sur mon fauteuil et l'heure est grave. Alors si vous me suivez sur ma page Facebook, vous avez pu vous apercevoir que j'ai une panne internet et d'après ce que j'ai compris, d'après tous les messages, je ne suis pas le seul. En gros, SFR fait des travaux sur leur ligne, donc j'ai pas d'internet pour le moment. Donc là, je fais ce vlog qui paraîtra je ne sais pas quand, donc il y a peut-être un ou deux jours de décalage. Nous sommes le 12, ouais c'est ça, le 12 juillet. Donc alors j'ai en fait signalé mon problème de ligne et ils me disent que ça sera réparé le 14. Alors ils sont précis, hein, 14 à 15h. Le 14 juillet à 15h exactement. Comme si le 14 juillet des techniciens allaient venir réparer même la connexion. Donc j'y crois moyen. Donc au pire, ce que je ferai, c'est que au pire du pire, si je vois que j'essaierai de bouffer ma connexion 3G à l'envoyer, ou j'irai genre chez mon frère ou chez nos amis, parce qu'on m'a même proposé d'aller chez Burger King pour uploader ma vidéo vu qu'ils ont le wifi gratuit. Donc je pense pas, mais on verra. Si vraiment j'ai pas d'autres moyens, j'irai l'uploader dans un truc wifi gratuit. Et encore, je sais même pas sûr qu'on puisse uploader comme ça sur des connexions publiques comme ça. Enfin bref, en tout cas, c'était une journée entre guillemets bien remplie. Ce matin, j'ai un petit peu travaillé. En fait, je travaille sur tout le long de la journée pour pas que ça se voie, pour que je puisse quand même filmer un minimum pour vous, pour les vlogs. Et voilà, et en fait, ce matin, j'ai travaillé, je suis parti à la poste, après j'ai fait quoi, je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait. Ah si, j'ai joué. J'ai joué au billard, regardez, il y a un beau tapis qui était fourni avec pour éviter qu'il y ait de la poussière dessus. Bon, le seul truc, c'est que, comme je le disais ce matin, les boules, pour moi, sont très grosses. Elles font 5,7, je crois. Ou 5,4, non 5,7 je crois que c'est les plus grosses qui est, et je pense que des 5,4 auraient été sympas pour ceux qui s'y connaissent. Pour ceux qui se connaissent pas, c'est des boules qui sont un peu plus petites. Voilà, là elle peine à rentrer, faut vraiment taper doucement parce que bah après en fait j'ai tellement pris l'habitude de jouer avec les petites boules de mon fils que en gros je tapais fort, donc maintenant je tape à peine un petit coup, la boule a fait pfff. Voilà, et en tout cas j'ai essayé de réparer ma bêtise page, mais finalement, alors soit je suis pas inspiré, ou soit, arrivé à un moment, je peux essayer de la sauver, mais ça marche pas quoi. Voilà, bon je vais arrêter de blablater pour le moment, je vous dis donc à demain. Bah je vous dis à demain, demain je vais filmer, donc... J'espère que les connexions sera rétablie ou parce que demain finalement si je le upload pas, de toute façon je peux pas l'uploader ce soir, donc je l'uploaderai peut-être le 13, donc pour vous le 14, donc techniquement le 14 selon SFR ça sera réparé. Sur les SFR. Enfin bref, voilà. Je vous dis donc à demain. Sinon, de toute façon, comme d'hab, hein, j'ai mon téléphone hein, pour recevoir les mails, les commentaires, tout ça, tout ça. Oh, heureusement qu'on a les téléphones hein, avec du 4G. Quand ça passe. Allez, j'arrête là.
Je te dis donc peut-être à demain ou après-demain. Je te dis dans la continuité. Je te dis à demain si tout va bien.